Gros dossier encore, administration pour là, doit définitivement prononcer sur lui, c'est portabilité. Et je vais t'expliquer bien qui sa portabilité a, et qui avantage lié au fou. Parce que, je veux dire là, le numéro de téléphone que depuis plus passé, depuis environ 10 ans, il vient d'entrer dans l'identité. C'est moi-même lié, je ne vais pas changer pour rien au monde. Mais ça arrive, comparé à il y a 6 ans de cela, je ne vais pas encore. Mais, changer numéro avec même changer compagnie avec même numéro portabilité à dans qui point ensemble avec lui numéro au broken bill parce que numéro l'état ici numéro gagnant numéro man acheté quoi bien non on pas acheter numéro non m'acheté non on pas acheter numéro ah oui c'est acheté m'acheté non le bon numéro on va l'étudier ça non mais sinon sinon au connard on va le rentrer plus on offre plus offrant. Ça veut dire au bon numéro on veut prendre qu'on est à l'autre monde à l'acheter si c'était acheté. Si ça fait nous dit son attribution qui fait parce que l'État haïtien à travers qu'on a tel gagne ça nous le plan de numérotation. Lors un plan de numérotation opérateur a gagné un bloc de numéro. OK. Donc li bon bloc li bail opérateur bloc de numéro lui même qui a signé numéro à un consommateur. Donc c'est ça fait son bon numéro qui déjà a signé à eux-mêmes, on l'autre monde pas capable. Oui. Mais par contre, il fait partie de l'identité, je veux dire, parce que ils sont ensemble d'informations qu'il y a à avoir. Mais cependant, la question de portabilité, j'en définis là, c'est exactement ça. C'est un monde qui gagne un numéro, et bien numéro ça, il est capable d'utiliser quel que soit opérateur qui que le gagne. Pas oublier, je nous dis, il y a des conditions tout qui définit pour utiliser numéro ça. Par exemple, si numéro a pour, s'il était pour net, ou fait 3 mois. Ou pas mettre 4 sur numéro 1, sur téléphone, on perd du numéro 1. Donc c'est comme ça, il est défini. Donc ça veut dire il n'y a pas de numéro 1 à l'autre monde? Il n'y a pas systématiquement. Okay. Donc maintenant, pour la portabilité, administration PANMA, j'aime te annoncer, et nous faisons, nous sommes capables de nous relayer, c'est pas camper sur lui, mais plutôt nous ajourner par rapport à. Ou ensemble de travail qui mandé pour faire avant ou faire portabilité. Par exemple, l'identification des numéros, plutôt des cartes SIM. Au monde qui a une carte SIM aujourd'hui, il y a une bonne situation comme ça, c'est que il y a des opérateurs, à vendre des cartes SIM sans que vous ne preniez pas l'identification. Donc là, ça a connu, vous avez un bon problème de monde qui a des numéros dans le numéro, qui est habitué à mettre des cartes sur vous, qui continue à mettre des cartes sur vous, mais vous n'avez pas de bouquet sur vous réellement parce que vous n'avez pas une identité. Sous système opérateur qui identifie mon là. Donc, il faut voir aussi que l'offre portabilité, hein, ce n'est pas gratuit pour l'opérateur, ce n'est pas gratuit non plus pour le consommateur. Donc, en plus de ça, il demande de débourser la carte opérateur pour que nous soyons capables d'avoir une plateforme capable de gérer le numéro. Parce que, en plus, techniquement, il y a un problème pour que nous travaillions sur lui. Alors, c'est garder ma petite pour que pour nous. Si nous faisons portabilité, il faut que nous fassions bien. Ça veut dire quoi? Au monde qui a un numéro, quand un opérateur X livré, il prend service dans un opérateur Y. Maintenant, le monde, on imagine que il y a une dette. Là, quand un opérateur X. Hein? Oui. Donc, est-ce que la dette est transférée automatiquement à l'opérateur Y? Là? Donc, ça veut dire qu'il faut un processus, un timing qui peut permettre que. Lorsque un monde saute un opérateur X, prend un opérateur Y pour que une consultation des informations financières qui fait pour qu'on ait est-ce que vous avez une dette, est-ce que vous n'avez pas une dette, est-ce que vous avez un numéro ça c'est pour lui ou bien est-ce que le numéro ça pas pour lui. Donc ça veut dire ça demande un peu ça demande du travail. Et en plus tout, moi crois que je dis, hein, gens que moi informé opérateur au moment où nous parlons, il y a une chose qui est plus important pour le consommateur, c'est la qualité de service. Donc c'est pour ça que nous mettons un pile accent sur qualité service, nous mettons un pile accent sur disponibilité service. Je dis en secteur technologie, secteur numérique, c'est le secteur qui est plus rapporté à l'État haïtien, l'asset fiscal, et c'est le secteur qui est plus dynamique. Et c'est le secteur tout qui est transversal à tout l'autre secteur. Maintenant, lorsque nous parlons d'économie numérique, c'est toutes les activités économiques qui chita sur le numérique. Ça veut dire, ce n'est pas informatique seulement, mais c'est plutôt tout l'autre secteur. Que ce soit santé, que ce soit agriculture, eh bien, quel que soit secteur, côté que gagner de activités économiques sous base numérique qu'on fait,
eh bien, il fait partie de l'économie numérique. Maintenant, pour qui ça? C'est parce que nous identifions où ensemble d'acteurs en chaîne. Je dis, hein, nous gagnons plus de 8000 km de fibre optique qui permettent que en pile commune, en pile ville, dans le pays, où il y a une à l'autre. Mm-hmm. Nous gagnons plus que 7 millions d'abonnés à un téléphone mobile. Nous gagnons plus de 1 million de monde qui ont un smartphone. Nous gagnons plusieurs programmeurs, nous gagnons plusieurs développeurs d'applications, nous gagnons un ensemble de monde qui est dans le secteur ça. Nous gagnons tout plus que 1,4 million de monde qui a utilisé Internet. Donc, tout, yo créer de l'activité économique, renforcer l'écosystème qui permet que la technologie aide réellement à développement économique avec social. Parce que je dis qu'il s'est arrivé, il y a un bon service, il y a un salon sur le là, infrastructure qui est là, 95% de couverture de réseau téléphonie mobile. Maintenant, Haïti, c'est un grand pays côté que il y a toutes les ressources qui sont disponibles. Et au power développement économique avec social. Tout acteur est capable de mettre ensemble eh bien, pour que nous gagnions un véritable écosystème pour permettre que la technologie joue un rôle dans le développement économique avec social pays.